Enfin, très, oui, c'est ça, très, très populaire, effectivement. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est... le problème, c'est de vouloir en venir tout de suite à la violence physique. Mmh. Parce que tu dis, tu manifestes, tu siffles, quoi que ça, c'est pas la première ministre à se faire siffler, si tu veux, en venant dans un stade. Des projections liquides. Elle-même s'est dit, je me suis senti menacée. Enfin, on est quand même dans un pays de... Excusez-moi, mais il y a un truc qui va pas dans ce pays. Bah oui. Une ministre des Sports va avoir un match de foot, elle est obligée de partir parce qu'elle se sent en danger. Et je pense qu'effectivement, elle aurait pu être lynchée. Enfin, il faut quand même réfléchir. Et je trouve que tout ça est très banalisé. Finalement, ce matin, on peu en parle. C'est assez banalisé. On s'y habitue en fait à ces scènes. On s'habitue que des gamins qui veulent faire une crèche vivante, finalement, on s'en prend à eux. On s'habitue à qu'une ministre se fasse insulter. Voilà. On s'habitue avec des quand il y a une manif, on demande aux commerçants de fermer boutique parce que vous comprenez, il y a des black blocs qui vont arriver tout casser. Alors, on est même capable de les compter. Ils sont 500. Ah bon, très bien. On s'habitue sur les réseaux sociaux à se faire traiter de tous les noms, à se faire insulter. C'est vrai qu'on a, une tolérance maintenant à la haine, à la violence, à l'agressivité, toujours des minorités, parce que c'est toujours pareil. Ce sont des gens très minoritaires qui sont là. Alors.